Bonjour les amis, et bienvenue sur Temporel pour les portraits astrologiques. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos sorties vidéo. Retrouvez également tous nos horoscopes, tirages, méditations et musiques vibratoires accessibles gratuitement sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux, Insta, TikTok et Facebook, pour ne rater aucune actualité. Le portrait astrologique du Verseau. Les attributs du Verseau. 11e signe du zodiaque, c'est un signe d'air, masculin et fixe. Son astre protecteur est Uranus. Ses couleurs sont les nuances de bleu, comme le bleu ciel, l'indigo, mais aussi les teintes argentées ou grises, qui rappellent bien sa planète protectrice Uranus, maître du dynamisme, de la puissance et du jugement. Des éléments qui caractérisent bien le Verseau, réputé pour son côté pétillant, mais aussi à fort caractère. Le Verseau gouverne les mollets, les chevilles et le système veineux, des zones qui peuvent donc être des points sensibles ou fragiles pour les natifs ou ascendants du signe. Voilà qui engendre souvent pour les Verseaux des possibles foulures, crampes récurrentes, mais aussi varices, jambes lourdes, etc. Heureusement, le Verseau est un être volontaire, sportif, généralement adepte d'une alimentation de bonne qualité et, si possible, bio, qui l'aideront toujours à garder une bonne vitalité. Ces chiffres porte-bonheur, quant à eux, sont le 7, le 14, le 20 et le 34. Son jour de chance est le samedi. Le caractère du Verseau. Signe d'air, le Verseau est avant tout un être indépendant qui déteste les contraintes et les obligations. Têtu et indiscipliné, il déteste être contrarié et peut se vexer très facilement. Mais malgré tous ses petits défauts, le Verseau reste un être entier, franc, sincère et qui possède un grand cœur, même s'il ne le fait pas forcément voir facilement. Le Verseau se blinde d'une carapace protectrice, histoire de ne pas laisser entrevoir ce qu'il considère comme de la faiblesse. Intelligent, vif et créatif, le Verseau se montre adaptable et débrouillard. Il est également empathique, humain et humaniste, et ne supporte pas l'injustice. Toujours prêt à aider, il se montre disponible et à l'écoute de ceux qui souffrent ou sont dans le besoin, ce qui reflète bien sa nature généreuse, qui contraste parfois avec son caractère sec, tranchant et volontiers moqueur. Le Verseau possède un solide sens de l'humour qui ravit ses amis et ses proches et sait tourner en dérision les situations même les plus tendues et les plus délicates. Excellent diplomate, il n'a pas son pareil pour désamorcer les conflits et entamer un dialogue constructif. Le Verseau au travail. Le Verseau fait partie des signes qui ambitionnent plus de trouver un job qui leur convient vraiment, plutôt que de s'enrichir et d'atteindre les sphères les plus hautes. Ce qu'ils désirent ? Partir au boulot le matin, le sourire aux lèvres, heureux de sa vie professionnelle, dans laquelle il a besoin de s'investir pleinement et avec plaisir. Il n'hésitera pas pour cela, surtout pendant ses jeunes années, à changer de vie, à tenter une reconversion ou à s'aventurer en terrain inconnu. Les secteurs qui l'attirent gravitent autour de l'humanitaire, de la médecine, de l'enseignement. Toutes les professions où le Verseau pourra donner, transmettre et se sentir vraiment utile. Mais le côté très créatif et original du Verseau pourra aussi le mener vers la voie du spectacle, de l'art sous toutes ses formes, ou encore de la gastronomie, domaine où le Verseau se montrera alors innovant. Enfin, les secteurs de technologie et de pointe pourront lui convenir. La carrière du Verseau, bien qu'en dents de scie, lui offrira toujours cependant une belle réussite et des expériences diverses qui forgeront son caractère et sa façon d'appréhender la vie et les autres. Le Verseau et l'amour. Le Verseau est un signe insaisissable, libre et qui entend bien le rester, même en couple. Il ne supporte pas les relations trop étouffantes ou trop fusionnelles. Le Verseau cherche avant tout un compagnon ou une compagne à son image, drôle, léger, pétillante et qui pourra ainsi partager son besoin de liberté, de nouveauté et de grand air. Séducteur, le Verseau aime plaire, mais il n'aime pas décevoir ou blesser et ne s'engagera donc jamais dans une relation sans sentiments, du moins pas s'il ne se sent pas capable d'honorer ses promesses. Fidèle par nature,
Une fois épris, il ne cherchera plus à plaire et travaillera au contraire au bien-être de son union. Garder un Verseau n'est pas un mince défi. Il faut le stimuler, l'amuser et le séduire continuellement, voire le surprendre, car l'ennui est la chose que le Verseau redoute le plus en amour. Sa vie sentimentale, malgré tout, pourra se montrer fluide et stable s'il trouve suffisamment tôt dans sa vie la bonne personne. Le Verseau et l'argent. Le Verseau n'est pas un signe attiré par l'argent en lui-même. Peu ambitieux, il sait se satisfaire de peu et donne plus la priorité à l'amour, à l'amitié et au petit bonheur simple qu'à la possession matérielle. Pourtant, il n'en reste pas moins un bon gestionnaire, prudent et avisé, qui saura toujours se contenter de ce qu'il a sans chercher à dépasser ses limites budgétaires ou à convoiter des biens luxueux. Généreux, il ne regardera pas à la dépense pour aider ses proches, s'ils sont dans le besoin, mais toujours, là encore, avec intelligence et sans mettre pour autant sa propre situation en péril. Chanceux, le Verseau arrive toujours à se sortir avec aisance de situations délicates, même parfois au dernier moment, et cela l'aidera à obtenir facilement une situation matérielle plutôt confortable, sans même qu'il ait la sensation d'avoir fait de trop gros efforts pour l'obtenir. Les signes amis du Verseau. Avec les signes d'eau comme le Cancer, le Poisson ou le Scorpion, le Verseau s'entendra vraiment bien. Il partagera leur côté créatif et un peu original et appréciera leur dévouement et leur sensibilité. Avec les autres signes d'air comme le Gémeaux ou la Balance, le Verseau pourra s'amuser, rire et partager de folles aventures, mais leurs rapports seront souvent éphémères car ils manqueront de bases solides et de sérieux la plupart du temps. Avec les signes de feu comme le Bélier, le Lion ou le Sagittaire, le Verseau aura parfois un peu de mal. Leur caractère trop entier qu'il jugera intolérant et inflexible l'agacera et il pourra y avoir alors de nombreux conflits, heurts ou désaccords. Avec les signes de terre enfin comme les Taureaux, les Vierges ou le Capricorne, le Verseau se sentira en confiance, aimé et valorisé, mais déplorera leur côté un peu trop plan-plan ou traditionnel. Voilà les amis, c'était le portrait astrologique du Verseau. N'hésitez pas à retrouver toutes nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux, Insta, Facebook et TikTok. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.